Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur le Ice Flash 3. Donc les Ice Flash reprennent. Je voulais pas continuer en fait tant que j'avais Evoland. Mais là c'est les vacances, alors je me suis dit tiens, faudrait reprendre un petit peu puisque je vous avais dit j'en faisais un tous les jours ou un tous les 2 jours, je sais plus. Donc du coup je vais reprendre. Donc on recommence avec le World Basketball Championships, ou Championship plutôt, qui est un jeu de basket comme vous allez le voir, qui est assez sympa. Donc moi, Spain, hop, next. Donc, en fait le but, vous allez voir, on aura des tracés. On aura des tracés, le but c'est de rentrer un panier. Bon, bien sûr, le premier match, si on a de l'aide. Voilà, le but, vous avez compris, je pense, c'est de mettre des paniers et avoir le maximum de points pour passer en finale. Donc, comme le premier match, je vous l'ai dit, on aura de l'aide, mais après, on n'aura plus d'aide, donc il va falloir faire au feeling. C'est certains moments, c'est quand même assez chaud, mais c'est passable. C'est pas non plus extrêmement compliqué. Enfin, en tout cas, j'ai gagné 3-4 fois le jeu sur 5 ou 6 parties. Donc ça va. Puis le jeu est pas trop long, alors si vous avez un petit moment et que vous savez pas quoi faire, bah le jeu est assez sympa. Donc là on a gagné, donc comme vous voyez il y a un classement. Il y a Macédoine, Angola, France, Espagne, Canada et Australie, ou je ne sais plus. Je sais plus ce que c'est ce drapeau. Donc là, comme vous voyez, il n'y a plus les Z. Donc du coup, il faut faire au feeling. Et des fois, ça passe pas quand c'est un peu trop loin. Il faut prier pour que votre adversaire ne le passe pas. Donc là, j'ai eu la chance parce qu'il l'a pas passé. Et là, oh, faut que je me remette dans le bain. Bon, c'est bon, il est aussi nul que moi. Hop. Non, sérieux. Ça, c'est chiant, ça. Non, 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 non. Ah! Des fois, il peut gagner rien qu'avec un point. Alors, c'est un peu dommage. Oh mais sérieux! Oh. Voilà, c'est bien. Mais c'est sérieux là? Oh putain! Bon, c'est pas grave, j'ai perdu. Ah ouais, c'est la nouvelle. Non, c'est la Nouvelle-Zélande. J'ai perdu un match. Bon, je suis toujours troisième. Je crois qu'il faut être deuxième et premier pour pouvoir passer les poules. Donc, hop, là, il était trop dur celui-là. Contre l'Angola. Enfin, je crois que c'est l'Angola. Normalement, oui. Hop, 2-0, c'est parfait. Donc c'est un peu tout le temps la même chose. Donc c'est pour ça, hein, je vais pas recommencer si je perds la partie. Hein. C'était juste pour en fait le Ice Flash, ça vous permettra surtout de vous divertir surtout aussi, mais aussi de vous faire découvrir des jeux qui sont assez sympas que vous pouvez faire en vidéo ou pas, hein, si vous voulez vous amuser ou alors que vous faites chier. Hein, Vous y jouez quand vous voulez, c'est le but des jeux Flash. Hein. Enfin, même des autres jeux. Hein. Bref, c'est le but des jeux, quoi. Next. Donc là, on est deuxième. On joue contre... Pourquoi j'ai dit Macédoine tout à l'heure? N'importe quoi. Pourquoi Macédoine? Je sais pas. Je raconte des conneries. Je sais plus ce que c'est ce drapeau. Et je suis mauvais. Ouais, bah quand même celui-là pour le rater, je vais le rater, je le sens. Et voilà, trop fort. Et non, non, yes. Donc là, si je rate, par contre, là, voilà, je préfère ça. Donc là, il rate le, marque-le, et c'est gagné. Voilà, donc je sais toujours pas leur nom. On est deuxième. Donc on est égalité avec le Nouvelle-Zélande. Donc là on joue contre le Canada. Là je peux pas me tromper quand même, le Canada c'est quand même reconnaissable avec leurs feuilles d'érable. Ouais, par contre au fur et à mesure où on est loin dans le jeu, les équipes deviennent de plus en plus fortes. Donc là ça serait cool qu'ils ratent. C'est cool. Désolé, j'ai bougé le micro. Voilà, c'est bon. Donc 2-1. 2-1, toujours, c'est parfait. Hop, faudrait que je marque. Ouais, il faut pas qu'il marque du coup. Trop fort. Yes. Alors là, on va faire comme ça. Boum. Pas assez fort. Hein. D'accord, merci. Et bah non. Donc,
On est toujours deuxième. C'est parfait. Et on est en huitième de finale contre la Turquie. Si je crois. Oui, c'est ça, c'est la Turquie. Donc, huitième de finale contre la Turquie. Hop, c'est parfait, elle a loupé. Hop là. C'est avec quelle équipe que je gagne tout le temps? C'est la Grèce, je crois. C'est la seule équipe où je gagne tout le temps. Ouais, c'est ça. Je sais pas combien de jeux flash je vais tourner. Je pense que je vais en tourner déjà deux minimum, c'est sûr. Déjà, il y aura celui-là en comptant celui-là. Donc il y en aura un autre. Je vais peut-être pas faire tout le temps de sport. J'en ai un de réflexion qui est pas mal. Que Torap m'a fait voir. Qui est pas mal du tout. J'aime bien. Il faut défendre sa base, mais bon bref. Je sais pas si je l'ai déjà fait. Je suis pas sûr. J'ai poussé le micro, je souffle dedans. Bref, je verrai bien. On est en quart de finale, donc on joue contre Biélorussie. Non, je sais pas du tout ce que c'est ce drapeau. En tout cas, c'est pas nous qui commençons et il va marquer. Bah non. Hop là. Oh, je suis mauvais. Même les chatons derrière, ils sont d'accord. Ils disent que je suis mauvais. Hop. Allez. Nice. Ah, j'ai cru qu'il allait pas le mettre, j'ai eu peur. Je dis ça, ça se trouve que je vais pas le mettre. Ouf. J'ai eu de la chance là. Allez, mets-le. Oh, sérieux. Cry. J'ai jamais su ce que ça voulait dire cry. Cry, pardon. Do. Ok, on est en demi-finale contre la Côte d'Ivoire. J'ai eu peur là, je me suis dit je connais ce truc mais je me rappelle plus. Hop là, déjà ça commence à 0. Par contre la finale est vraiment hardcore. Enfin ça dépend contre qui vous tombez mais généralement elle est hardcore. Oh non sérieux, le truc le plus facile au monde, je le loupe. Loupe 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 loupe. Oh, c'est dommage que ça reste jamais coincé. Et le truc le plus dur, bien sûr, j'y arrive, c'est normal. Tout à fait logique. Là, si je le rate là, faut vraiment être mauvais pour le rater là. Là aussi, si je le rate là, je suis mauvais. J'ai cru que j'allais perdre toute crédibilité avec un seul tir. Non. Ah, là, s'il le marque, là, c'est foutu. Eh ben, c'est foutu. Bon, écoutez, c'était juste pour vous le montrer. Pour vous montrer le jeu, donc je répète ce que c'est World Basketball Championship, de toute façon vous le voyez en haut de la vidéo. C'est toujours sur jeugratis.com, de toute façon il y aura le lien du jeu et du site dans la description. Voilà, donc j'espère que ce petit jeu flash vous aura plu. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.